dat fantastische acties. En ik vind dus ook dat heel wat mensen positief reageren op de actie die we hier doen. En heel spontaan komen tekenen. A été en Flandre, à Bruxelles, qui fait maintenant la tournée en Wallonie, de dire qu'il y a également des membres du CAP de Flandre qui sont venus ici en solidarité à Liège. C'est quelque chose de très important et surtout dans le contexte de discussion sur la question nationale aujourd'hui, ça permet vraiment d'avoir une accroche différente, d'aller plus loin dans les discussions et ça, je crois que c'est un des gros avantages du CAP et qui est très fort ressenti au niveau des discussions. De burgemeester zijn de burgemeester. Onze burgemeester die in Brussel naar Carrefour. Ja. Abdoulaye Nous, Jean Ossini et le bourg. Ik vind dat juist deze acties, waar we dus tussen de mensen staan, de gelegenheid hebben om met de mensen dus te praten, dat juist ook de gelegenheid geeft om even te zeggen wat CAP, waar CAP eigenlijk voor staat. En dat vind ik zo ook belangrijk. Ik denk nu dat het met grote theorie is dat we een aantal zaken kunnen veranderen. En dat juist toch met kleine acties te voeren, zoals deze, ontstakingspiketten enzovoort, dat eigenlijk ons waar maakt. Want het woord is zo aan kracht dat niemand nog het woord gelooft. We moeten dat gewoon weer doen. En de mensen zien dus dat we een aantal dingen aan het doen zijn. En dat maakt ons denk ik geloofwaardig. Dus natuurlijk kunnen we uit leren dat de aandeelhouders, de kapitalisten, natuurlijk het weer voor het zeggen hebben. En dat dus de mens in de tweede plaats komt. Dus dat men eigenlijk weinig rekening houdt met de tewerkstelling. Dat alleen de winst heel belangrijk is. Hè. En dat is ook duidelijk. Ik voel dat ook als ik met de mensen praat. Maar juist had ik nog een paar mensen hier die zeggen, ja, je gaat er niks kunnen aan doen, want de kapitalisten gaan toch alles kunnen naar in hand zetten. Heb ik ook gezegd, ja, maar als we niks doen, als we geen protest laten horen, ja, dan kunnen ze... alles doen. Nu zijn er toch een aantal meisjes zeggen, dat kan zo niet van, ah, dat vind ik op zichzelf al zeer goed dat dat gebeurt, maar ik geloof er persoonlijk niet in, zegt hij. Maar wat belangrijk is dat je een discussie hebt gehad met die man. Dus heel duidelijk, dat is mij opgevallen bij een aantal gesprekken die ik gehad heb, van mensen die zeggen, allee, waarom sluit man dat niet? En zo verder, die winkel maakt hier winst, dan komt hij toch aan dat geld ook, en waarom sluit man? Allee, dat heeft samen te maken met winst. Allee, je voelt ook duidelijk dat de mensen zich voor een stuk bedrogen is het woord niet, maar voor een stuk, laten we zeggen, gepakt voelen. Dans quel GIP est-ce qu'on va aller? Il n'y en aura plus pour venir au GIP. Est-ce qu'on va aller? Hein? Quand on a d'usage comme ça, ma carotte sec, on ne peut plus finir pas. Ah non, un bel sec à la rigueur. Ah, oui, 30 aussi. 50 sec, c'est rien, t'arrives très pension, mais carotte sec, tu n'es plus pour nulle part. Ah, hein? Voilà, hein? T'as comme manger comme tu es 24 heures. À la tête de l'entreprise, c'est le budget, le budget, le budget. Oui. Chaque fois qu'on a une réunion et qu'ils viennent nous parler, c'est jamais pour dire oh, on va vous faire quelque chose pour améliorer la situation, embellir, faire une bonne action, venir bien. Tout en les chiffres, mauvais, mauvais. Oui. On n'entend que ça. Ça c'est avec 6 ans que ça se refuse. C'est démoralisant. Hein. Ah oui, pour ah ceux oui. qui travaillent, c'est démoralisant parce oui. qu'on est la moitié quand même en nombre à travailler, donc on doit quand même piloter plus qu'avant. Mmh. Et on nous dit toujours c'est mauvais. Oui. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ça sera toujours mauvais. Il y a... Ouais. Il y a jamais... Ils en voudront toujours. Ben oui, voilà, toujours. C'est ça, ils en voudront toujours plus. Donc ils suppriment quoi? Ils suppriment les petits salaires, mais les gros contributeurs là à la tête, ils ne suppriment pas. Hein. Surtout du moment, ça concerne les gens qui travaillent. Pendant des années, mais dans oui, les GD. Mais oui. Et mais oui. C'est dommage. Mais oui, c'est dommage. Dis-moi après 24 heures, est-ce que je peux aller chercher un peu de boulot? Il faut regarder les choses en face. Il n'est que temps. Vous n'avez rien à foutre sur cette planète. Elle est à nous les riches, les puissants, les décideurs.
Vos prétentions sont d'un comique à stop et qui par terre vous exigez d'être traité en être humain. Pauvre larve, mais un être humain, mais ça fait trembler Hong Kong, Singapour, Wall Street, rien qu'en s'approchant d'un téléphone. Pouvez-vous faire trembler Wall Street du fond de votre caisse en carton? Bah ici, contre les décisions de la direction de Carrefour de fermer 16 GB en Belgique, de licencier le personnel pour réouvrir les magasins sous forme de franchise par la suite, ce qui va se traduire par une absence de représentation syndicale pour les travailleurs, par un nouveau personnel qui sera réengagé mais avec une différence salariale de 25%. Et voilà, c'est en fait contre la logique de Carrefour et contre la logique générale qu'on a un peu partout, parce qu'il y a un parallèle très fort à faire avec ce qui s'est passé avec La Poste, sur lequel le Comité pour une autre politique a également mené des actions, ou avec tout un tas d'autres choses. Ça ressort très fortement des discussions avec les clients et avec le personnel, que c'est partout pareil, et contre l'aspect de démoralisation qu'il peut y avoir par rapport à ça, on essaye d'apporter un peu des solutions, et de montrer aussi au personnel qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a des gens qui se préoccupent de leur sort. Ici, on a des contacts, on a eu une discussion avec la déléguée syndicale et avec certains membres du personnel qu'on va continuer à poursuivre, il y a des rendez-vous qui sont pris. Mais ici, clairement, c'est pour s'adresser principalement au niveau des clients et qu'ils montrent leur solidarité par rapport aux travailleurs. Mais c'est sur les deux fronts qu'on veut essayer de bouger. C'est la même problématique pour les deux. Il n'y a pas seulement que les travailleurs qui seront attaqués là-dessus. Au niveau de la qualité du service, il va y avoir des répercussions aussi avec les décisions de Carrefour. Et donc on essaie de jouer vraiment sur toutes les victimes, donc le personnel et les clients de GB. Il y a des réactions de démoralisation qui sont compréhensibles. Comme je le disais, tout le monde fait la remarque que c'est partout pareil. Ils ne voient pas vraiment comment sortir de ça. Il y a la question de l'absence de représentation politique. Surtout avec la crise gouvernementale qu'on a pour l'instant, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans la discussion. Ce qu'on va voir comme mesure avec les prochains gouvernements, que ça va continuer, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et à côté des liens qu'on peut faire entre les clients et le personnel, ce qu'on apporte avec le Comité pour une autre politique en termes d'alternative face aux partis traditionnels, c'est quelque chose qui reçoit beaucoup de sympathie. Et quelques personnes ont parlé de s'investir plus avant dans les campagnes du Comité pour une autre politique, ce qui est très positif sur le peu de temps qu'on a déjà mené l'action aujourd'hui. Wat is er gebeurd met de lover? Wel, we kregen de zaakvoerster hier aan de tafel. En heel de actie was oké, alleen vond ze het niet zuiver genoeg. De logo's moesten afgeplakt worden na een gesprek met de zaakvoerder, met de regionaal. Dan hebben we dat maar gedaan. Blijkbaar hingen ze nog niet goed genoeg afgeplakt en is er dan nog een medewerkster naar buiten gekomen om ze beter af te plakken. Ik vroeg mij eigenlijk ook af of we dat groot logo niet moesten afplakken. C'est une malentendue. C'est une malentendue. Okay. Bij deze gaan wij alles terug verwijderen, want op deze manier gaan wij geen actie voeren. Wij spelen een open kaart en we ontsluieren de logo's.
je vais faire Michel. Mais oui, mais monsieur, j'en ferai encore une de plus. Je vais faire me reproduire. Monsieur, mon nom c'est Marek. On aurait été là-bas, ouais. Si. Oh, ça fait pas encore. Voilà. Ouais. Ici, tu. Oui. Ah oui, Michel. Et vous avez fait comment de récolter 12 000 signatures? 2637. Ici. Oui, mais c'est beaucoup de travail, non? Non, on s'est mis là l'entrée, là. Oui, ici, j'ai rempli. On se relayait. Hein. Ouais. Là, on se relayait, et plus les, des gens qui faisaient des magasins. Et moi, je Michel. Et là, plus des gens qui vous ont récolté 3000 signatures. Ah, mais oui! Où ça? Là, dans le lait. J'ai les signatures. C'est malheureux qu'on ne sait pas. On aurait fait un tableau. Non, d'ailleurs, mais oui. Mais comme ça, maintenant, on a votre adresse. On peut vous informer. Et ça, vous pouvez nous contacter ici. Oui, je le prends. Si vous organisez quelque chose, ouais. On est là, hein, messieurs. Il faut attendre maintenant. Il faut attendre le fin septembre, hein. Ouais. 23 et le 25. Ouais, le conseil. Et il y en a qui ont fait des magasins. Moi j'ai fait des magasins. D'autres magasins. Et des cafés aussi, en vrai. Ah, chassez-toi, hein, Michel. Chassez-toi, hein, de vos bourrées de pâtes ici là-bas. Oh. T'en as fait signer aussi, hein. Ah, dans les cafés, dans les. Et il y avait aussi une manifestation. Ah, oui. Enfin, une belle manifestation. Ah oui, une belle manifestation. Là, c'est nous entendez ici. Hein. Ah ouais. Je savais qu'on a fait une manifestation. C'est mieux. C'est quoi? C'est parce qu'on ne se connaît pas, comment on crée tout ce on n'a pas été en flamme non plus. Hein. Ah, mais avec vous, eux, ils viennent. Ah ouais. Bah, la prochaine fois, on peut vous inviter. Hein. Ah oui? Ouais. Oh, moi je serai partant. Oui, vous êtes le bienvenu, hein? Voilà. Je serai partant. Et Marianne aussi. Hein. Marianne aussi, je vais lui en parler. Ah oui? Voilà, vous dites? Déjà... Ah oui. S'il faut aller en Flandre, hein, chez la on Belgique. On a encore Gilly, Kevrin, Eppen. Vous n'êtes pas complètement le terme? Pas du tout, non. C'est pas ici, alors. Voilà.
Merci.